Bonjour à tous et bienvenue, ravi de vous retrouver en ce lundi 8 novembre, c'est Jérémy Delsol pour votre émission Bonjour CAC 40 et DAX 40 avec Admiral, il est 8h30, j'espère que tout le monde a passé un excellent week-end. On va démarrer cette semaine ensemble comme d'habitude sur les marchés et on va aller voir aussi ce qui se passe du côté du calendrier économique rapidement. Je vais l'ouvrir tout de suite ici en me rendant sur le site Admiral. Hop, je vais vous l'afficher par là. On n'oublie pas le cashback, hein. Ce mois-ci, n'hésitez pas à en profiter bien évidemment, puisque c'est quand même jusqu'à 50% du coup de cashback chez Admirals. On va partir sur le côté ici, calendrier économique. On va aller mettre le bon timing ici, c'est-à-dire heure de Paris en français. Et on va avoir le calendrier ici pour aujourd'hui. Alors pas grand-chose sur ce calendrier, vous le voyez déjà, hein, par le taux de chômage qui a eu très tôt ce matin, 7h45 côté Suisse, qui était du coup en baisse à 2,5, donc plutôt bien pour les Suisses, hein, pour le côté du CHF. On va avoir à 15h ici un discours de la Fed avec Larida, sinon vous voyez 16h30 discours de la Fed de Powell, et puis pas grand-chose d'autre avec du coup encore de la Fed à 18h et Bowman. Donc une journée très calme du côté du calendrier économique, il n'y aura pas énormément de choses, on démarre la semaine en douceur. Donc on va se pencher bien sûr sur les graphiques dans un instant. Je vais aussi venir surtout vous dire bonjour dans le chat ce matin. On avait Amna qui nous dit bonjour tout le monde, bienvenue à toi Amna, Gérard également, Christophe, Garat, bienvenue à vous tous, hein, Nadir, Natalia, Philippe, Arona, on a aussi Christophe, Zachary, Jimmy, Ludovic, Contrarien, Kennedy, Damien, Paul, Jean-Louis et Pascal qui nous disaient à tous bonjour, bienvenue à vous tous. Arona, tu nous disais, j'espère que vous avez passé un bon week-end, une bonne semaine à tous. Merci à toi aussi Arona, j'espère aussi que tu as passé un bon week-end. Merci pour le pouce bleu aussi Philippe. On avait également ici un Christophe qui nous disait dernier jour de congé pour suivre le live demain de travail. Bon courage pour la reprise en tout cas Christophe, ça fait très plaisir que tu aies pu nous suivre en live aussi. Puis tu auras toujours les replays, en tout cas n'hésite pas hein, d'aller commenter et à chaque fois pour poser tes questions, on sera là pour y répondre, il n'y a pas de souci. Christophe qui nous disait aussi pendant mes congés, j'ai bien profité pour accroître mes connaissances avec la formation offerte par Admiral Markets avec un pouce. Top, ravi qu'elle te plaise Christophe. Merci pour ton retour aussi, j'espère être financièrement libre un jour et trader indépendant. Ne lâche rien, tout est possible du moment qu'on lâche rien, surtout la persévérance en fait est un élément clé en trading, je trouve, comme de toute façon plein d'éléments dans la vie, hein. Dès qu'on veut faire quelque chose, il faut s'accrocher, il ne faut rien lâcher. En tout cas, tout est possible, clairement. Contrarien qui nous disait aussi, après avoir passé quelques jours de vacances en famille, loin du travail et de la bourse, en pleine forme pour reprendre tout ça. Avec plaisir, Contrarien, bienvenue à nouveau dans le live avec nous, et Damien aussi qui nous souhaitait une bonne semaine à tous. Merci à toi aussi Damien. Bonne séance aussi, nous disait Jean-Louis. Et on avait aussi Pascal qui nous suivait depuis le Togo. Ça fait plaisir. Force aussi, nous disait Jean-Louis. Une bonne voix de matin aujourd'hui. Ça marche, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Ah, normalement, le son est bon. J'ai regardé. Donc, tout est OK. Tout est OK. Mélin qui nous disait aussi bonjour. Oh, bienvenue à toi. On a aussi Cheval Payant qui nous disait bonjour, je vous adore énormément. Merci, ça fait plaisir. Bienvenue à toi aussi. Bonjour tout le monde, nous disait Asami. Donc voilà, on va démarrer. Bienvenue à vous tous. Une fois de plus, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Alors, on démarre sur JP2. 125 comme d'habitude, côté bourse asiatique, plus précisément du côté de Tokyo. On a du coup ici un élan haussier hein, qui se définit, on a une théorie d'eau qui prend place, des sommets, des creux de plus en plus haut, donc un marché de nouveau en tendance haussière. Les prochains tests, hein, ça va vraiment être ces sommets ici, bien évidemment. On a ici aussi testé, alors anciennement support et désormais résistance, une zone qui va tourner autour du seuil des 29 000, du coup 700 même ici. Hop. Si on monte un petit peu, c'est vraiment les 700 qui ont maintenu là en support et là pour l'instant qui font effet en fait de résistance. Donc ça appelle à un petit peu de respiration, idéalement sur un point pivot RA intermédiaire, dernier sommet qui pourrait faire office justement anciennement résistance qui passerait support. Je vais vous reparler de tout ça dans notre live spécial demain soir, notre webinaire spécial sur du coup la structure de marché. Donc je vais aller aussi vous chercher ça pour vous donner le lien, pour vous inscrire si vous l'avez pas déjà, si vous n'êtes pas déjà inscrit. Tout simplement pour le webinaire, vous pourrez retrouver ça du coup dedans, puisqu'on va voir ensemble pas mal de petites choses justement intéressantes. J'irai vous rechercher le lien, mais de toute façon il est même sur le site. Alors est-ce que j'ai gardé la page? Non, hop, je vais y retourner, je vais vous mettre ça aussi dans l'espace ici formation. Vous avez les webinaires. Et du coup, le nôtre, voilà, ça va être celui-ci attendu demain. Donc, vous avez encore une journée, 11h24 pour vous inscrire. Je vais vous mettre ça dans le chat. Je vais vous épingler le lien. Comme ça, pour tous ceux qui ne sont pas déjà inscrits, vous pourrez tout simplement
y aller pour y assister. C'est demain soir 20h justement, donc vous pourrez me poser des questions live. On va parler de la structure de marché. Alors, justement, cette structure de marché qui a peut-être à laisser hein, pour un retest support sur du coup cette PPR1 intermédiaire mensuelle. Quand on descend sur les unités de temps, on passe sur graphique horaire, et on avait cette zone de range ensemble dont on avait parlé, cassée par le haut, retestée. Alors, après deux vagues, hein, on a testé ici une fois, la réintégration qui n'a pas tenu, on est ressorti, on reteste et pour autant on réintègre. Donc ici, cette zone, je vais quand même l'élargir parce que c'est une zone qui quand même fait son effet. Hein. Après un test ici, une réintégration ratée là, un test là et ensuite une réintégration. On est quelque part sur la partie médiane de cette zone avec le support S1 du jour. Donc on est en train de réintégrer la zone. Donc trading en range jusqu'à preuve du contraire pour une borne haute présente sur les 29 625 points et une borne basse sur les ici tout simplement 29 400 points. Donc voilà un petit peu où on en est. Au cours de cette nuit, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu surtout de la baisse du côté asiatique. Donc on va voir si on retrouve ce sentiment-là ce matin côté européen. On passe du coup sur le graphique du DAX. Je vais juste aller nettoyer ici le watermark qui s'est superposé. Hop. Voilà, comme ça. Et on est toujours face à un test résistance R1 des points pivots Admiral ici en mensuel. Après, du coup, avoir effectué en fait un très bel élan haussier, c'est-à-dire un renouveau d'une tendance haussière. On a su casser d'ailleurs les sommets historiquement hauts sur ce DAX, hein, donc ici on est déjà très très haut. On est face à une résistance R1 mensuelle qui fait office d'obstacle dans un premier temps, bien sûr. On passe sur le graphique horaire, on rajoute les points pivots du jour et la zone de range dont je vous avais parlé déjà vendredi matin est toujours d'actualité, toujours présente ici. Donc on va aller l'agrandir un petit peu, je vais juste hop, voilà, bouger un petit peu tout ça et remettre ça ici parce qu'elle est toujours d'actualité cette zone clairement. Hop, et on a même ce prix médian quelque part dans cette zone de range qui est toujours celui des 16025. Alors on travaille un petit peu au-dessus, un petit peu en dessous, vous le voyez hein, depuis ici tout à l'heure, puisqu'on a su descendre un petit peu par là, remonter un petit peu ici. On a le point pivot du jour juste au-dessus. La résistance R1 mensuelle est bel et bien borne haute de cette zone de range avec les du coup 16050 points quasiment. Et le support journalier est bel et bien présent sur la borne basse avec le niveau psychologique quelque part des 16000 points avec les 15995 à peu près sur cette borne basse. Donc en graphique horaire, vous le savez déjà, trading en range jusqu'à preuve du contraire, pour la borne haute, pour la borne basse, attention au prix médian qui reste le prix le plus dangereux quand même. Donc on va descendre sur les unités de temps, on rajoutera ici des points pivots horaires qui vont nous donner aussi des niveaux de support, des niveaux de résistance et des prix médians. On a du coup ici pas su casser vraiment le sommet précédent, on l'a cassé mais on l'a réintégré très rapidement et là on avait cassé le creux précédent. Donc vous voyez un marché pour l'instant un peu piégeur hein, qui a tendance justement à partir vers le haut, partir vers le bas. On va être prudent sur ce début de séance ensemble bien évidemment ce matin du coup pour faire attention à tout ça. Alors on ira voir aussi hein, sur les graphiques Renko LTR bien sûr comment ça se présente. Pour l'instant plutôt un billet quand même un peu plus haussier. On va voir si ça se définit dans le temps bien sûr et notamment sur l'open. Je vous dis très souvent voilà le contexte avant l'open, ça veut dire qu'à l'open ça peut changer très très vite bien sûr. Donc voilà où on en est sur du DAX, on va passer sur du CAC 40 et le CAC 40 pareil je vais hop aller juste nettoyer rapidement le watermark ici et on a un CAC 40 qui lui a su passer, franchir sa résistance R1 mensuelle pour atteindre du coup un point plus haut sur les 7064 points à peu près. Donc toujours une très belle tendance haussière, très agressive. Donc c'est pareil, hein, la respiration ne sera que plus importante normalement. Ce sera normalement relativement proportionnel. C'est-à-dire que par exemple si je mets du retracement de Fibonacci depuis le dernier creux ici jusqu'au sommet du moment, eh bien on a quand même une zone de 38,2 d'accord ici, mais 50% qui sera en accord avec le PPR1 qui ferait quand même pas mal de points de correction. On parle ici de quasiment 202 à peu près points de correction possible. Donc attention, un marché bullish, un marché qui monte clairement, mais du coup qui nécessitera forcément des respirations au bout d'un moment. Donc on avait aussi cette zone de range pareil sur le CAC 40 qui a su être cassée pour franchir la R1 et on a su ensuite continuer un peu plus haut. On a eu cette phase de respiration sans pour autant vraiment toucher la R1 et là on était en train de vouloir rebondir continuer. On a eu un gap baissier ici parce qu'on a, vous voyez cette bougie là, on va passer directement, vous allez le voir hop, sur le 5 minutes, le gap baissier ici qui est déjà comblé. On est déjà retour sur les deux sommets précédents, là où ça bloque avec la R1 horaire justement, on parle des 7050 points. Donc cette zone des 7050 points fera office de résistance clairement ce matin. En termes de scénario pour un peu plus que ce matin, bien sûr, qu'est-ce qu'on peut avoir ici? Si on a une incapacité vraiment, par exemple avec ces 7050 points ici, à continuer à déjà tester le sommet précédent pour aller sur la R1 du jour en concordance avec la R1 R2 mensuelle, eh bien on aura ici un retour
jours vis-à-vis du creux précédent de la R1 et peut-être même de cette zone de range. Ça voudrait dire qu'on aurait de la respiration sur le marché grosso modo et on pourrait venir taper des zones support. Donc en termes de scénario, si on n'arrive pas à sortir par le haut, on pourrait tout à fait ranger entre le haut et le creux. On parle alors d'une zone autour des 7060 et par le haut et des 7015 par le bas. Si on arrive à casser, attention, limiter rapidement possiblement par la R1 autour des 75-78, la R1 R2 intermédiaire sur les 84, et ensuite pour du retracement, pareil, on a des zones de structure très très proches. Donc on va voir ce matin, ça va être très intéressant de voir comment ça va se passer puisqu'on a des zones quand même relativement limitées sur des graphiques horaires quand on regarde ça. Du côté de la bourse britannique, on va aussi regarder tout ça rapidement. Et on est aussi dans une tendance haussière. Certes, les sommets sont serrés les uns par rapport aux autres, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas beaucoup plus hauts que les précédents, mais on reste dans une tendance haussière. Par contre, vos oscillateurs vous indiqueront très certainement de la divergence. Alors, on va regarder ça aussi. Pour l'instant, les creux sont respectés. Hop, ici, les sommets sont de plus en plus hauts également. On va descendre sur un graphique horaire pour voir où on en est. On était sorti d'une zone de consolidation qu'on avait identifiée ensemble ici, retesté côté extérieur, mais pour autant on a du mal à faire des sommets plus hauts. Au contraire, vous voyez, on fait des sommets de plus en plus bas. Donc en fait, on est en train de consolider un petit peu sous ce format-là, un format que je vais vous mettre ici, un petit peu comme ceci, justement, avec une borne basse qui fait office ici, voilà. De support, ici résistance, là support, donc on évolue hein, vraiment dans ce cadre là pour le moment. Une zone de range précédente que je pourrais élargir en cas, là on a un sas en fait, en cas de réintégration, ce serait vraiment sous les 7283 et on retrouverait la partie médiane ensuite hein, sur les 260 pour une borne basse, etc. Donc en termes de scénario, ce qu'on a pour l'instant, c'est de la consolidation. Donc jusqu'à preuve du contraire, ça coince entre cette oblique baissière, ce niveau à l'horizontale, niveau à l'horizontale présent sur les 7290 à peu près. Réintégration de la zone de range uniquement à partir des 7285 à peu près. Et ici, il faudrait casser le dernier sommet, l'oblique, et attention au sommet précédent, puisqu'on peut être limité rapidement par une résistance aussi autour des 7325 points. Voilà un petit peu pour les scénarios sur le FTSE 100. On ira voir tout ça live ce matin, bien évidemment. À l'heure actuelle, le FTSE 100, si je le regarde sur mon deuxième écran, du coup, il est plutôt dans une tendance baissière. À voir si ça se tient, on va sûrement ranger prochainement puisqu'on est en train de faire un creux ici qui n'est pas plus bas par exemple. Donc si on continue de monter, on aura l'histogramme qui passe en gris, donc en consolidation. Avant de passer sur le marché américain, pardon, je reviens sur le chat rapidement. JMC qui nous disait « Oh là la compagnie, je reviens de temps en temps dans les lives pour peaufiner mes stratégies encore trop mitigées. » Bienvenue à toi JMC, ça fait plaisir. N'hésite pas si tu as des questions en tout cas. On est déjà 90 du coup dans le live ce matin. 33 likes, merci beaucoup, ça fait plaisir. N'hésitez pas avec les boutons like, ça fait toujours plaisir pour démarrer la séance. Pascal qui nous disait « Bonjour et bon début de semaine à tous, à toi aussi. » Bienvenue Pascal. À Sani qui nous disait aussi « Bonjour tout le monde. » Bienvenue à toi David aussi hein, qui nous envoyait des pouces en nous disant « Bonjour à tous, ça fait plaisir. » Bienvenue à toi également. Et Sparta et aussi hein, Pascal également, Cédric aussi. Pascal, tu me disais du coup, pourquoi faire Omar Alors Omar qui nous disait, c'est vrai, quelqu'un peut m'aider s'il vous plaît. Alors dis-nous, oui Omar, de quoi il s'agit. Alors, on est sur le S&P 500. Il faut savoir que cette semaine, les horaires reviennent à la normale, c'est-à-dire votre Open US de cet après-midi sera bel et bien à 15h30 à nouveau. Et ça sera comme ça pendant un bon petit temps jusqu'au mois de mars. On a du coup ici su casser un sommet, hein, vous le voyez avec la touche HLS du mini terminal. De toute façon, on est dans une très très belle tendance haussière, mais très élancée et très directionnelle, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu des vagues ici vraiment de hausse. On a juste une belle impulsion et ça ne s'est pas retourné. On a été jusqu'aux abords de la R1 mensuelle aussi. Sur cet actif, on va passer sur le graphique horaire. On avait cette petite zone de consolidation breakée très joliment, faisant le test de la R1 du jour. Alors à ce moment-là, c'était pas la R1 du jour, bien sûr, mais là, on voit qu'on a bel et bien désormais une zone de structure, dernier sommet et une résistance R1 et une belle respiration qui est revenue en fait tester côté extérieur cette ancienne zone de range. Donc là, on a du rebond direction le point pivot. Donc on est dans une tendance haussière aussi ici sur ce graphique horaire. Plusieurs choses peuvent arriver sur ce point pivot, sur le sommet ici aussi. Si on arrive pas à franchir concrètement ces niveaux là pour rechercher le test du sommet précédent et de la R1, eh bien on fera des sommets plus bas et à partir de là on va rentrer en consolidation possible, limité donc par du coup des sommets qui sont peut-être de plus en plus bas et notamment aussi par bien des creux qui se respectent ici et là en zone aussi anciennement résistance qui passe donc zone support. Je vous parle des 4683 points à peu près sur
ce S&P 500. Donc voilà pour les scénarios, bien sûr. On pourrait réintégrer la zone de range, voire respirer même plus profondément si on casse les creux. Si on n'est pas capable d'aller chercher les sommets précédents, eh bien ce sera du range. Et pour l'instant, oui, on est en rebond possible, mais attention au point pivot, partie médiane et sommets précédents aussi. On passe sur le Dow Jones 30, un Dow Jones 30 pardon, qui évolue toujours dans une très belle tendance haussière, suite à une petite respiration ici et ensuite un rebond assez important. On avait fait un sommet plus haut sur les 36 489 points sans avoir été chercher pour autant encore la résistance RA mensuelle. On passe sur le graphique horaire également ici, on avait une zone de range qui a été cassée, retestée timidement par là, et depuis on a eu donc une belle impulsion, une correction et de la consolidation clairement. Donc là, en ce début de semaine, les yeux vont se tourner hein, vraiment vers des breaks, vers la cassure ici de la zone. Si on descend sur les unités plus petites, je suis prêt à parier que vous avez un très joli range qui prend place, avec une borne haute qui va tourner autour des 36 350 points, une borne basse sur les 36 260 points, pas loin vraiment du point pivot aussi ici clairement. Donc en break attendu idéalement pour continuer la tendance générale par le haut, pour tester des sommets précédents. Si ça souhaite respirer, on va aussi avoir un scénario test des 36 200 points, 180 quasiment, pour ensuite possiblement réintégrer la zone de range. Ça c'est si le marché souhaite respirer, puisqu'on a eu tellement de hausses récemment que c'est un scénario tout à fait possible aussi. Donc voilà, on en est sur du Dow Jones 30 pour ces scénarios aujourd'hui. Du côté du Nasdaq 100, on a bel et bien aussi touché déjà la résistance RA mensuelle. C'est vrai que le Dow, lui, n'a pas été touché ce niveau-là, mais on a bel et bien déjà fait le test sur, du coup, ici, le Nasdaq 100 et aussi ici, hop, quasiment, ouais, sur le S&P 500. Donc vis-à-vis de ce test-là et d'une très belle tendance élancée, on aurait de quoi normalement respirer un petit peu. On va passer sur le graphique horaire, on va rajouter les points pivots. On avait cette zone de range cassée, du coup maintenue par l'eau, mais ensuite réintégrée. Et on est un petit peu toujours en travaux autour de cette zone-là. Donc je vais vous l'élargir cette zone puisqu'elle est toujours d'actualité aussi. À voir aussi si on élargit pas par rapport au dernier test. Alors on va rentrer juste sur du 30 minutes pour voir un petit peu où ça en est dans le détail également. C'est vrai qu'on avait quand même voilà, cette zone-là bien définie comme ça. Donc on va repasser sur du H1. On a donc cette zone de range qui prend place fonction de la résistance R1 et du coup mensuelle et même du point pivot journalier avec les 16 370 points par le haut et borne basse autour des 16 300 points. On a un petit peu d'extension sous cette borne basse avec un support S1 du jour. Donc grosso modo, pour avoir un vrai breakout, il faudrait réussir à franchir également le support S1, se diriger sur le support S2, S3 journalier des points pivots PVT ici du mini terminal chez Admiral. Autre scénario, maintien de la borne basse pour un trading range direction la partie médiane et ensuite la borne haute. En cas de break de la résistance et du point pivot, on verra surtout le test possible du sommet précédent et de la R1 du jour. Voilà pour les scénarios sur le Nasdaq 100. On va attaquer les matières premières avec le gold. Il est déjà ici 8h48. Je vais juste enlever ça, voir s'il y a des questions et on continue sur ces graphes ensemble. Voilà, Cédric qui nous disait bonjour, Hervé aussi, bienvenue à vous tous, hein, Zik et Bruno également, bienvenue à vous tous, ça fait plaisir de vous compter parmi nous ce matin. Alors du côté du gold, qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle? On est en train de tenter de sortir d'une zone de range, une zone de range journalière, mais je vous avais marqué aussi une zone de range très beaucoup plus large en fait et importante vis-à-vis de ce graphique-là. On avait parlé d'une zone borne haute des 1830 dollars l'once d'or et d'une borne basse des 1720 dollars l'once d'or. À l'intérieur de même de cette zone de consolidation, on avait récemment une autre zone de range qui s'est formée. On est en train donc de la casser pour faire le test ici déjà de la R1 mensuelle. Mais la vraie borne haute du range supérieur correspond avec ce R1 ici, hein, cette zone R1, R2 intermédiaire mensuelle. Donc on garde ça à l'esprit bien sûr aussi. Mais à l'heure actuelle, en cassure du coup du range journalier le plus récent. Ça se traduit par la sortie ici par l'eau des 1810 dollars l'once d'or, un petit peu au-dessus du point pivot du jour, et un élan haussier qui se maintient pour l'instant. Alors pareil ici, si vous avez des oscillateurs, vous avez très certainement une divergence. Ça ne veut pas dire qu'on va repartir direct à la baisse, ça veut dire qu'on va peut-être avoir un peu de respiration, le prix qui commence un peu à s'essouffler. On est en train en tout cas de retester un petit peu cette zone R1. On peut aller jusqu'au test du dernier creux sans remettre en cause la tendance, puisqu'on peut très bien faire un double creux ici et continuer par le haut après un test du sommet précédent. Donc en termes de scénario, c'est ce qu'on va avoir un petit peu d'attendu, c'est-à-dire une zone rebond possible ici déjà pour un test du sommet précédent dans un premier temps et une cassure pour une extension R1 et
et R1, R2 intermédiaire. Donc ça, c'est le scénario possible à la hausse. On peut aussi très bien commencer à ranger si on n'arrive pas à sortir du sommet et du creux. Ça veut dire des 1821 par le haut et des 1813 à peu près par le bas. Et sinon, réintégration du range, mais attention avec un petit peu cette sécurité à avoir en fonction du point pivot journalier, puisque les rebonds pourraient être permis un petit peu jusque dans la zone plus profondément. Ce serait des rebonds piégeurs, mais c'est des rebonds possibles. Alors que si on casse un peu comme ça, on a plus de probabilité de bien réintégrer et venir déjà chercher cette zone PPRA et S1 aussi. Donc voilà un petit peu ce qu'on va regarder ce matin sur le gold. Du côté du pétrole, du Brent, on avait une belle zone de range justement présente sur cet actif-là et on est bel et bien en réintégration de la zone. Donc ici, on avait une tendance haussière super intéressante, hein, clairement, qui montait. On avait parlé de cette tendance depuis ce passage-là, clairement, parce qu'on commençait à faire des sommets des creux de plus en plus haut. Une théorie de dos qui fonctionne très bien sur les marchés, peu importe les marchés que vous utilisez. Donc là, on avait parlé aussi du phénomène de divergence tout à fait possible, hein, sur les oscillateurs, c'était sûr qu'il y en avait, même sans les regarder. Et on avait commencé à corriger un petit peu. Et en rentrant sur le graphique H4, du coup, on avait quand même une large zone de range qui était présente ici. On va la remettre en place. Alors, on avait un test ici, une réintégration là, un test récent ici aussi. Et c'est vrai que du coup, on avait parlé d'une zone plus serrée puisqu'on avait plus de contacts ici, là. Du coup, casser, réintégrer. Recasser, réintégrer, maintien ici avec ce point pivot aussi. La borne haute, ici, on pourrait la resserrer également, puisqu'on a plusieurs tests par là, des fausses cassures, mais de la réintégration et du maintien récent autour d'un niveau qui va concorder avec le PPR. Donc on va passer sur le graphique horaire, on va rajouter un peu aussi des points pivots horaire en l'occurrence. Et récemment, on avait cette box ici, c'est-à-dire le range dont on a parlé vendredi, qui a été cassé par le haut pour venir faire le scénario test de la borne basse côté extérieur. En fin de compte, on a eu la réintégration qui s'est maintenue ici, au-delà du point pivot justement mensuel pour faire le test de la R1 du jour. On est autour à l'heure actuelle de ce test de la R1 du jour qui va être présent un petit peu autour de la partie médiane de cette zone de range, hein, clairement. Ça va se jouer aux alentours des 84-25. Donc on est bel et bien dans la zone. R1 du moment, respiration à court terme possible. En tout cas, on est dans du trading de range. Donc borne basse idéalement pour borne haute, idéalement pour borne basse jusqu'à preuve du contraire. Donc depuis le test de la partie médiane ici, plusieurs choses est possible. Une respiration, bien sûr, sur des zones de structure précédentes, support, ou du coup un petit peu de consolidation avant un break pour faire le full scénario depuis la réintégration sur le test de la borne haute. Voilà un petit peu ce que je vois à l'heure actuelle sur du coup ce Brent pour démarrer la semaine. Côté Forex, on va rentrer dans le détail, il nous reste moins de 10 minutes avant l'open. Donc un euro dollar qui est dans une zone de consolidation ici, établi entre une borne haute sur les 1,1660 et une borne basse sur les 1,1540. Donc ça, c'est le contexte journalier pour moi. On avait une zone de range aussi sur du coup cette partie inférieure qui a été breakée mais ensuite réintégrée directement. Et quelque part, on est toujours à l'intérieur de la zone. Regardez, si j'écarte un petit peu ça, on a eu des sorties, oui, ici un petit peu comme la mèche précédente, mais on a su réintégrer. Et là, pour l'instant, même très récemment, je veux dire, on a eu un maintien de cette zone-là pour tester désormais le dernier creux. On est un petit peu dans l'hésitation avant l'open, mais pour moi, on reste dans du trading en range du moment qu'on n'arrive pas à s'affranchir concrètement des 1,1565 par le haut ou des 1,1540 par le bas. Donc, du trading en range comme ceci possible. Des breaks qui seront à vérifier aussi. Je vais rajouter, tiens, les points pivots. On a de la concordance avec des niveaux intéressants. La R1 du jour, le point pivot mensuel et notamment les 1,1595 comme zone obstacle ici, bien sûr. Alors, on s'est arrêté, pas n'importe où, hein, sur ces bouts de mèche aussi ici. On s'est arrêté sur une ancienne zone qui faisait support ici, qui fait désormais aussi résistance. Donc, c'est pour ça qu'en cas de cassure, il faudra faire déjà attention à l'étude des sommets précédents et ensuite à la poursuite possible. En tout cas, on est bel et bien dans la zone de range pour l'instant, en train de tester le niveau médian point pivot du jour justement. Ensuite, on a du coup cette borne basse et un support S1 en cas de cassure par le bas à surveiller avant même le test du creux précédent. On ira voir tout ça aussi, hein, bien sûr, sur les graphes. Mais pour l'instant, on a de la chute ici avec un peu de récupération du mouvement du coup sur l'euro USD. On passe sur le GBP USD rapidement. Je vais nettoyer ça en 2 secondes. Voilà. Donc ici, on est de retour sur le test des creux précédents. Juste ici, après avoir eu un début d'une tendance haussière selon la théorie de Dow, on n'a pas su faire vraiment du coup un sommet plus haut. Au contraire, on a fait un double test et on a retourné la tendance ici de manière très rapide, directionnelle, pour aller casser ce creux-là et faire le test du creux précédent posé sur le support S1 mensuel du moment.
On va voir ce qui se passe aussi sur le graphique horaire, rajouter les points pivots. Je vous avais dessiné cette zone de range qui a été cassée, réintégrée et du coup tenter aussi de recasser derrière. Et pour l'instant, ce qui se passe, c'est qu'on est toujours un petit peu dans la zone, c'est-à-dire qu'on a cette partie un peu inférieure pour un pivot, support S1 mensuel, et la partie réintégration de la zone de range qui est en cours justement. Donc on va faire bien attention à ça, puisque sinon ça voudrait dire un trading en range. De la baisse qui sera plus sympathique, j'ai envie de dire, sous le point pivot du jour, en cassure, aussi du support mensuel pour le test du creux précédent avec le S1 du jour. Et sinon, donc trading range pour la borne haute, attention à la cassure pour un test résistance R1 si le marché du coup souhaite corriger un petit peu toute cette amplitude de mouvement baissier en faisant ici du coup par exemple un test de la R2 du jour avec le point pivot PPS1. Donc voilà un peu où on en est sur ce GBP/USD. Hop, en 5 minutes on ira voir les points pivot horaire également, et on hésite vis-à-vis de cette borne basse. À un moment donné, on la respecte, ensuite on la casse. On va voir si on a un nouveau respect ou si on peut la casser à nouveau. Enfin, du côté USDJPY, je me dépêche ici, toujours dans son range journalier. Donc je vous rappelle la borne haute, les 114,40, la borne basse, les 113,25, tout simplement dans du trading en range. On arrive par le bas, on aimerait sortir par le haut, mais il y a une grosse consolidation. Donc soit du coup on respire, on vient trouver des prix bas pour tenter de relancer ou même tout simplement pour démarrer une tendance baissière. Soit du coup rebond borne basse pour borne haute et ensuite peut-être break par le haut, mais en tout cas résistance qui pourrait faire aussi rebondir. Donc ça c'est du trading range dans la zone, comme vous le savez, jusqu'à preuve du contraire. En descendant sur le graphique horaire rapidement, on va avoir, hop, alors j'ai oublié de nettoyer le watermark rapidement, ici aussi, hop, voilà. On va avoir pour le moment du coup des négociations sous la partie médiane de cette zone de range qui corrobore la résistance R1 du jour. On est sur le point pivot pour du coup retester peut-être encore une fois de plus le creux précédent et la borne basse. Si jamais on arrive à se maintenir ici, on casserait le dernier sommet, on ferait très attention puisque là on a une belle résistance aussi autour des 113,80. On passe sur l'USDCAD rapidement. Un USDCAD, vous rappelez, en tendance baissière depuis cette épaule, tête épaule ici. Depuis, on a quand même consolidé beaucoup. On a cassé par le haut pour venir respirer un peu plus, tester le point pivot mensuel. Donc on va avoir des choses intéressantes ici, puisque si on a du rejet par là, on va finir par réintégrer la zone de range précédente pour continuer la test de partie médiane, test de borne basse et peut-être même l'élan baissier de cette tendance. Par contre, ça peut être aussi ici, si on se maintient, le début d'une nouvelle tendance haussière. Donc ça, c'est tous des scénarios qu'on verra au quotidien, qu'on actualisera ensemble bien évidemment. Qu'est-ce qui se passe d'un point de vue horaire par rapport à ce fameux point pivot mensuel? On a eu de plusieurs tests en fin de compte, j'élargis la zone puisque pareil en fin de compte ici vous avez vu un range maintenu, fausse cassure par le haut pour tester une résistance, réintégration, fausse cassure par le bas parce qu'on réintègre quand même juste derrière et là on retente la cassure. Donc on pourrait même y voir un range du coup présent ici désormais dans la zone là. Donc on peut rajouter ici sans trop bien sûr charger le graphique, j'ai envie de dire. Mais ce qui est visible à l'heure actuelle, c'est que la borne basse de la zone de range précédente est désormais partie médiane du range plus petit dans lequel on se trouve désormais. Donc on sait qu'il faut faire attention à la borne basse si on casse pour un test support S1 par exemple, et ensuite plus d'amplitude en direction du support S2. Mais ça veut dire aussi des rebonds possibles pour réintégrer la zone de range précédente. Dans un premier temps, s'arrêter sur une partie médiane qui est borne haut de la zone de range imminente, on va l'appeler comme ça, cette zone de range imminente vis-à-vis du range précédent. Donc c'est là où vous voyez, il y a deux ranges qui se confortent, enfin qui interagissent l'un avec l'autre en utilisant l'un sa borne haute pour la partie médiane, l'autre sa borne basse pour la partie médiane. Donc voilà ici, quoi qu'il arrive, vous savez qu'en graphique horaire, on est dans un range à l'heure actuelle, borne haute D1,2460, borne basse D1,2440, et du coup le range d'avance est bel et bien les 1,2470 pour les 1,2450. Donc on va faire attention à ces deux niveaux puisqu'ils interagissent ensemble. On ira voir si vous voulez les USDCAD aussi au cours de la séance. Rapidement, petit point crypto à 2 minutes de l'open, on va voir si on a le temps. Ici juste aussi d'aller nettoyer ça. La crypto ici du Bitcoin qui commence à sortir par le haut, on est en train de tester les sommets précédents en ce moment. On avait une zone de consolidation dont on est en train de voir la cassure, mais attention au test du sommet précédent qui sera quand même déterminant. On va rester juste sur du H4 ici pour voir un petit peu ce qui se passe. On a dépassé la R3 du jour, on est vraiment sur le test du sommet précédent. Tout ça, ça va corroborer le niveau des 66,200 pour l'instant. Donc on est sorti de la zone de range, attention à la respiration peut-être suite à l'obstacle. Et ensuite on verra si on est capable vraiment de relancer ou si on va réintégrer un petit peu la zone de range. Voilà pour le Bitcoin. Rapidement, l'Ethereum qui continue dans sa tendance journalière haussière, lui c'est plutôt propre contrairement au Bitcoin. On est aussi sorti de la zone ici après un petit peu de consolidation, un break assez important, et on verra aussi phénomène de respiration à venir possiblement. On est déjà au-dessus de la R2, on a la R3
R1 ici mensuel et la R3 en ligne de mire si ça continue de monter sans trop respirer. Voilà, on va mettre les graphiques en place ici pour ne pas rater cet open ensemble. Le lundi matin, vous savez que ça peut aussi aller assez vite. Donc on a du FTSE, on a du up du DAX ici et là on va mettre le CAC 40. Ça y est, l'open qui est en train de se faire. Le contexte que j'ai à l'heure actuelle sous mes yeux, c'est qu'on est possiblement dans une tendance haussière. On va voir si elle tient ici hein, sur le graphique 3.2, l'équivalent du M5. On est déjà dans un range à nouveau possible, des bougies noires, vous voyez que ça se passe vite sur l'open. On est dans un range puisqu'on n'a pas su casser vraiment les derniers creux possibles sur le FTSE 600 qui a peut-être relancé sa tendance baissière. Le CAC 40 qui se cherche aussi un petit peu, on va regarder le gold qui est déjà dans une tendance baissière en l'occurrence ici. L'euro dollar rapidement qui se cherche, qui consolide, pareil sur le GBP USD. Alors on va attendre de voir ce qui se passe. On travaille les 16025, partie médiane vraiment de la zone de range hein, sur le DAX, on l'oublie pas. On a un FTSE 100 qui aimerait partir par le bas. Mais qui hésite encore. On est en train de tester le point pivot et le creux précédent. Le DAX qui tourne autour des 16025 points pour l'instant, ça range sur le petit graphique en 2 points. Et je vais vérifier juste mes tailles ici. Ouais, c'est pas du 2 points, du 3.2, donc c'est bon. On a un CAC 40 qui rebondit pour l'instant en tentant le test résistant justement des 7050 points, celui dont on parlait. La tendance haussière qui va peut-être se retrouver ici sur le DAX. On est en train de tester les 16030. Le CAC 40 qui tente la cassure aussi. Alors ici c'est dommage, c'était le CAC 40 là, sur lequel j'aurais dû. Ouais, on va voir si on respire un petit peu. On va voir si on respire un petit peu. De la hausse aussi. Donc le DAX hein, qui se relance aussi. Cassure du DAX par le haut. On reste dans le biais de la tendance haussière. On était face à un obstacle qu'on arrive à casser pour l'instant. C'est en train de progresser. On va voir. C'est vrai que la cassure était plus intéressante au final sur le DAX, plus de volatilité, du coup il y avait déjà 7-8 points à aller chercher. Ouais. Alors si le CAC 40 peut me donner un peu plus de poursuite que ça, on est sur le test des 7050. Si on casse, on a du potentiel haussier, pour l'instant du 2 petits points, idéalement sur les 7055. Je suis rentré sur les 52, ouais, donc on est même un peu au-delà. On teste le point pivot du jour sur le DAX en tout cas. Un FTSE 100 qui change de tendance, qui passe aussi à la hausse pour l'instant. On franchit la Big ML, on a l'histogramme qui passe en vert. On va avoir un gold ici qui est toujours hésitant mais orienté plutôt vers de la baisse. Allez, il m'en faut un peu plus que ça pour commencer à sécuriser quand même ici. Le CAC 40 rentre un petit peu bas. Un petit peu haut, pardon, bien sûr, rentrer un petit peu haut, pas assez bas justement. Ici, si je l'avais pris avec le Renko, on aurait déjà eu les deux bougies de poursuite pour du 2,5. Pas si loin, mais ça respire un petit peu pour l'instant. Donc ça prendra plus de temps ici. Le FTSE 100 qui teste son oblique, en l'occurrence de ce côté-ci. Je vais revenir sur le chat, bien sûr, dans un instant. On a un GBPUSD qui se pose des questions. On a un CAC 40 qui va respirer aussi. Je vais revenir sur le chat dans un instant en attendant de voir ce qui se passe. Le CAC 40 qui teste sa R1 horaire. Ouais,
le DAX qui est plus motivé, hein. Vous le voyez ici, un petit peu de respiration timide, mais ça poursuit sa montée, sa cassure aussi qui est belle, tandis que le CAC 40 a plus de mal. On n'a pas eu un retracement non plus assez profond ici, un retracement timide, hein, toujours en cours. Le FTSE 100 qui va respirer peut-être un petit peu aussi, mais le DAX qui était plus intéressant ce matin que le CAC 40 pour le moment. Allez, on retrace de plus en plus. Au final, on est toujours dans cette zone-là, limitée un peu par les 48, 7048 ici. Pour autant, je vais avoir une phase de respiration. Donc, on va voir ici si elle n'est pas trop profonde, si ça me permet d'obtenir un prix ici en correction. Alors, on repasse un peu sous les 48, sous les 50. Ça qui est dommage, mais le premier TP sera par exemple sur les 48,50. Donc, il y a des possibilités de revenir chercher le test ici. Si on corrige trop, par contre, bien sûr, bah, ce ne sera plus une phase de retracement. Donc, on va voir ça. Ça consolide un petit peu à l'heure actuelle sur le DAX. Ça me laisse le temps de revenir avec vous aussi sur le chat. Du coup, on en était où? Zik qui nous disait merci Pascal. Attends, je remonte un petit peu. J'ai loupé pas mal de commentaires. Vas-y, qui nous dit quel indicateur vous avez ajouté. Alors, si tu parles de ces graphiques-là, c'est le système Renko LTR qui est disponible du coup à l'essai. Tu peux faire un mail. Alors, je vais désactiver. Regardez ici, c'est un retracement tellement profond pour l'instant que je vais désactiver ce rebond possible. J'avais l'assistant des traders ici qui était prêt à reprendre le rebond, qui traquait, vous voyez en fait avec ses différentes bougies, qui traquait la clôture d'une bougie d'inversion. Mais on a retracé un petit peu trop. On continue la hausse de manière assez agressive pour l'instant. Pas de respiration sur ce DAX 40. On monte sur le 2 points et on ne se retourne pas non plus depuis le breakout sur le DAX 40. Donc on va suivre tout ça avec attention. J'irai placer ici une alerte sonore au cas où. Et comme ça, ça me permet de revenir avec vous. Le FTSE 100 qui reste limité par son oblique. Ça commence à range. J'ai attention sur le gold aussi. J'ai BPUSD qui range. Le DAX qui continue de monter sur le test de sa borne haute. Regardez, on a ici l'AR1 mensuel, l'AR1 R2 intermédiaire horaire aussi. Et donc cette borne haute autour des 16 055 désormais en test sur le DAX. Du coup, ouais, c'est le système Renko LTR. Tu peux l'avoir en version d'essai si tu veux. Tu fais juste un mail. Du coup, dans le descriptif de la vidéo, deuxième ligne, tu as l'adresse mail france@admiralmarkets.com, demande d'information des outils LTR et ils te renverront sur le site en question. Christian qui nous disait « Bonjour, très heureux d'être en votre compagnie depuis le Cameroun, merci, ça fait très plaisir, bienvenue à toi aussi Christian. » Freddy aussi qui nous dit « Bonjour à tous, bienvenue à toi Freddy. » Zik qui nous disait « Quel est l'indicateur s'il vous plaît sur les graphiques actuellement ?» Donc je ne sais pas si tu parlais de ça ou des graphiques que tu as là. Là, les graphiques que tu as là, c'est tout simplement les outils de l'édition suprême chez Admirals avec le mini terminal et les fameux points pivot Admirals aussi. Pascal qui nous dit Zik, je vois le point pivot et le mini terminal y est. Merci pour ta réponse, hein, Pascal, justement. Un autre Pascal qui nous dit bonjour Jérémy, bonjour à tous, bienvenue à toi. Zik qui nous dit merci Pascal et Pascal qui nous disait de rien. Florian qui nous disait bonjour, je ne comprends pas sur plusieurs graphiques Gold S&P, je n'ai pas les mêmes bougies que toi. La tendance du coup est la même, mais tu as plusieurs bougies en achat et moi, ils sont du coup en vente. Alors sur le gold, le S&P, c'est de l'indicateur Ekenashi, regarde. Hop, ici, c'est Ekenashi, un code couleur qui se superpose au graphique, c'est-à-dire aux bougies, au chandelier japonais. Donc c'est pour ça que tu peux avoir une différence aussi. Après, si tu es chez un autre broker, c'est normal aussi qu'on ait des différences au niveau des graphiques. Mais je pense que ça vient de Ekenashi. Pascal qui nous dit justement, Florian, ce ne sont pas des chandeliers. Voilà, c'est ça, c'est Ekenashi, donc je pense que ça vient de là en effet. Nabil qui nous dit bonjour à tous, bienvenue à toi Nabil aussi. Arona qui nous disait, Florian, c'est parce que ces graphiques du coup sont des bougies Ekenashi. Exactement, Florian qui nous dit ok, merci, c'est quoi la différence entre chandelier, bougie et Ekenashi. Alors, je vais te partager aussi un article qu'on a fait à ce sujet-là. Voilà, je vais te chercher cet article-là où tu as absolument tout sur Ekenashi. Donc tout est expliqué dans l'article, mais on va en parler bien sûr ensemble un petit peu, mais je t'invite à aller voir l'article aussi après du coup le live. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que Ekenashi est un indicateur code couleur qui va se superposer sur ton graphique en chandelier. Donc par exemple,
Moi, ce que je fais, c'est que ici, sur le gol, tu vois, on va zoomer un petit peu, j'enlève le corps des chandeliers parce que si je les laisse, tu vois, c'est pas très joli. C'est-à-dire que tu vas avoir les deux superposés. Donc, moi, je laisse ici uniquement la représentation graphique en barre pour n'y voir vraiment que Ekenashi. Et pour autant, j'ai le point d'ouverture, le point de clôture des chandeliers. Mais j'ai pas le corps en fait qui est représenté. Donc, voilà ici la différence. Chandelier, c'est le graphique directement. Ekenashi, c'est un indicateur code couleur qui se superpose dessus. Alors pendant qu'on parlait, c'est dommage, on a eu du rebond, on a déjà eu du rebond ici pour du coup atteindre jusqu'à 4 points, quasiment 4,7 points. On va voir ce que donne la suite. Du rebond aussi profond sur le footy 100. Bon, j'étais en train d'être sur le chat, tant pis, on verra si on a d'autres choses à exploiter ensemble. Peut-être un cas qui va revenir aussi sur le test ici à la hausse. Alors la tendance est bel et bien à la hausse ici, c'est juste qu'on a retracé très profondément. On est sur un essai d'ailleurs de l'extension 61,8 de Fibo. On va voir si on arrive à la casser. Pascal Pascal qui disait à Florian, du coup, voilà, chandelier, valeur, ouverture, fermeture réelle, l'autre moyenne, du coup, le petit trait à l'ouverture, la fermeture. Exactement. Rafko qui nous disait bonjour à tous, bienvenue à toi, Rafko, ça fait plaisir. Tu nous disais sur le CAC 40 ans H1, du coup, je n'ai pas le même pivot S1, S2, R1, R2 que Jérémy. Pouvez-vous me dire pourquoi? Alors, ça dépend quel indicateur point pivot tu utilises et quelle formule il y a dans cet indicateur. Je vais aller te montrer par exemple. Ici, dans les indicateurs, par exemple, si on prend le point pivot là, qui est le point pivot mensuel, tu as différentes choses qui te permettent en fait d'obtenir des points pivots. Tu as le nombre de barres à inclure. Donc, par exemple, nous, on tient compte d'une seule barre, c'est la version standard, au niveau mensuel. Mais tu peux aller jusqu'à deux ou trois barres. Ensuite, tu as la méthode ici, un petit peu des points pivots, soit classique, Woody, Fibonacci ou Camarilla. Et ensuite, tu as la calculation du point pivot aussi. Ici avec du HLC divisé par 3, le typical, tu as le weighted, le médian, le close et le average to of close. Donc tout ça va faire en fait que tu peux obtenir des prix de ces points pivots différents. On est en train de rejeter la borne haute de la zone de range sur le DAX. Justement, petite tendance baissière qui prend place ici, vous le voyez sur le petit graphique en taille de 2 points. Ça se retourne déjà ici pour l'instant. Pareil ici, j'aurais pu rapidement aller chercher des petits points, mais on va voir, on va suivre ça ensemble. On va essayer de faire des petites démonstrations aussi intéressantes. Le gold hein, qui commence vraiment à ranger, du coup il n'a pas su continuer la baisse. Le footy 100 qui se maintient, mais on a toujours l'obstacle de ces sommets, de cet oblique là qui est toujours là en fait. Donc on est dans une zone aussi de retracement un petit peu. Là, c'est la partie médiane, hein, 50% entre le dernier sommet, le dernier creux. On a un CAC qui remonte un petit peu. Hop. Alors, j'avais zoomé, excusez-moi, j'ai pas fait attention. Hop, voilà, je voulais repasser en une minute en fait sur les graphiques. Voilà, ça monte, ça commence à casser sur le FTSE 100. On respecte la tendance haussière. J'ai un scénario initié ici possible sur les 16 044 pour aller dans un premier temps, du coup, idéalement sur les 50. Sinon, c'est directement les 47. Ça va être assez proche. On va voir si on peut aller chercher les 50. Le FTSE 100 qui respecte bien sa tendance haussière, donc dommage ici, j'étais pas dessus, mais un très joli retracement profond, mais qui respecte la tendance. On est sur la cassure de l'extension symétrie de marché à la hausse aussi. La consolidation sur l'euro-dollar, clairement, du GBP-USD qui range aussi, pas très intéressant pour l'instant. Du gold qui va ranger aussi pas mal ici pour le moment. Je vais revenir sur le chat du coup. Voilà pour Ekenashi. Vous avez un article complet dans le chat que je vous ai partagé aussi. Zachary qui nous disait pourquoi tu as du coup des graphiques. Alors deux graphiques Renko sur le DAX. Pour étudier tout simplement l'approche ici d'un graphique qui prend la volatilité du 5 minutes et ici du 1 minute. Pourquoi? Parce que le matin, c'est l'actif clairement, je trouve, le plus intéressant à trader. Tiens, premier TP atteint justement ici. Du coup, 6 points et quelques. Je vais remonter du coup pour sécuriser. Le deuxième TP va se trouver sur le sommet précédent. Alors vu qu'on a une borne haute aussi, je vais du coup placer mon TP là aussi. Voilà, toujours aussi présent, enfin
en fonction des sommets également. Là, on est sur du 11 points de TP, désormais TP2 à 11 points. Je vais pouvoir voir si on a de la cassure, puisqu'on est quand même sur la borne haute. Hein. Ici, vous l'avez vu sur ce graphique-là, on a la R1 mensuelle, la R1, R2 intermédiaire. On est en train de tester le sommet précédent. Ça va être très intéressant de voir si on peut se maintenir. Je vais d'ailleurs me placer break even. J'ai cliqué ici sur la petite touche break even qui me place directement sur mon point d'entrée. Comme ça, quoi qu'il arrive, c'est un scénario désormais gagnant. Le FTSE 100 qui s'élance, c'était aussi un très très beau mouvement du coup de hausse ici hein, pour l'instant sur le FTSE 100. Le CAC, il en est où ce CAC 40? Il revient sur mon point d'entrée, mais il a du mal hein, par rapport à son dernier sommet. Je pense que je vais pouvoir quand même se sortir à zéro parce que c'était pas la meilleure des entrées ici, pris un petit peu tard sur un break. Donc je suis sorti à zéro ici sur le DAX, sur le CAC. Scénario gagnant du coup qui va peut-être sortir break even désormais, mais il y aura eu du coup du 6 points et du 10 points d'atteint. Je la joue beaucoup plus safe ici puisque du coup on a du mal à casser la borne haute de la zone de range. Mais ça serait bien qu'il y ait voilà, justement un petit rebond, qu'il y ait un petit peu de maintien qui se fasse pour aussi justifier un break-even plus rapide ici que prévu. Je vais revenir sur le chat aussi ici. Pascal qui nous disait unité de temps différente. Ouais, unité de mouvement en l'occurrence, oui, différent. Hubert qui nous disait bonjour à tous du PACA, bonne semaine de trading. Bienvenue à toi aussi Hubert. Alors ça donne de la suite ici, ça c'est plutôt bien, je vais pouvoir rester et continuer de gérer ça. Le CAC, hein, je m'en suis débarrassé. Bon, ça aurait donné, mais ça c'est pas un souci. Le principal c'est de sécuriser également. Donc là j'ai ce scénario là qui est en place désormais. On va avoir du 17 points de latent pour l'instant. Je vais continuer de gérer ça comme ça. On va regarder au fur et à mesure, bien sûr. Pascal qui faisait, du coup, je répondais aux messages effacés. Oui, pas de souci, t'inquiète. Zachary qui nous disait, mais si j'ai bien compris, les Renko ne sont pas fonction du temps, mais du price action. C'est fonction, en fait, d'une taille, justement. Donc là, c'est plutôt bien. Je vais pouvoir continuer de gérer tout ça. Très bel élan haussier. C'est du graphique équivalent 5 minutes en taille de 3.2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'utilise le graphique 5 minutes pour y trouver une taille Renko qui me permette d'absorber la volatilité du moment. Et comme ça, mes graphiques sont dynamiques et mes graphiques sont vivants. Et ça me permet du coup d'avoir des tailles Renko qui vont suivre les conditions du marché, semaine après semaine. Ça, c'est très intéressant parce que je vous dis très souvent, la seule chose qui change du coup sur le comportement des marchés, c'est bel et bien... Du coup, alors je vais juste me placer là. C'est bel et bien la volatilité. Ça ne va pas être du coup son comportement. Les comportements, on peut les cadrer. Hein, on sait les mettre dans des catégories et ça se répète toujours du range de la tendance. Donc ici, pour l'instant, voilà, on en est sur des graphiques qui sont dynamiques. On va voir si on arrive à rebondir encore un petit peu. On a fait l'extension 61.8 de Fibo. On a une extension symétrie de marché sur les 79. Alors ça ne veut pas dire qu'ils seront atteints. Ça veut dire que en cas de test de ces niveaux là on regarde aussi à côté, on a quoi? On a les 168 de Fibo, on aurait une très très belle zone pour peut-être une sortie optimum. Donc c'est là où je vais être très intéressé pour peut-être couper directement à la fin de cette position, sauf si mon stop suiveur se fait sortir, qui est désormais sur mon deuxième TP à 10 points de profit. Donc le FTSE 100, très très joli, un mouvement vraiment intéressant de 13 points. Alors c'est un petit graphique 1.3, mais du coup ça représente quand même un super mouvement de hausse ici pour du coup ce FTSE 100 ce matin. Du coup on va respirer un petit peu trop, je vais très certainement sortir en stop suiveur ici sur le niveau de mon premier TP. Voilà, c'est fait, donc scénario fini, du 6 points et du 11 points par là. GBPUSD qui part enfin à la baisse, je peux vous le montrer ici dans un breakout baissier. Bon, il faudra attendre maintenant de voir si ça respire. Du coup, le gold qui range. L'euro dollar qui continue toujours de ranger. Et on a un CAC 40 qui a atteint son extension symétrie de marché de 100% qui fait respirer justement le marché. Ça respire sur le CAC 40, ça descend du coup, je vous le disais, sur le GBPUSD. Du côté du gold, sur le graphique, vous voyez que ça range en fait hein, sur le 5 minutes. Alors
Alors je vais revenir sur le chat Guillaume qui nous dit les indices ne respirent pas trop en ce moment. On dirait que les banques du coup financent une bulle, ils dopent les marchés depuis plusieurs mois. Mais de toute façon, oui, avec le soutien hein, clairement des banques centrales vis-à-vis du Covid, ça nous a aidé à maintenir les économies et même à aller sur des territoires positifs et surtout sur des nouveaux territoires, c'est-à-dire des sommets historiquement hauts, qui ne reflète pas forcément la réalité de l'économie, clairement. Guillaume qui nous disait ils vont finir par créer la prochaine récession. C'est toujours un peu le cycle hein, qui se passe, clairement. On sait, c'est pour ça aussi qu'on sait qu'on a prochainement une crise qui va arriver. La grande question, c'est le timing, quand est-ce que ce sera? Ça aussi, les graphiques pourront nous le dire aussi. Max Beau qui nous disait un petit coucou à toutes et à tous. Bon live Jérémy, merci, ça fait plaisir Max Beau, j'espère que tu vas bien. N'hésitez pas, on est déjà à 68 likes, ça fait très plaisir, 125 participants, merci à vous tous d'être avec nous ce matin. N'hésitez pas si vous avez des questions. Michel qui nous dit salut Jérémy à tous. Bienvenue à toi Michel, JC aussi qui nous disait du coup bonjour Jérémy, j'ai fait alors je t'ai fait un message sur LTR, pourrais-tu me répondre pour que je commande mes indicateurs LTR? Pas de souci JC Julien, j'irai voir ça tout de suite après. J'irai voir ça tout de suite après. Merci pour ton message. Valère qui nous disait un bonjour à Jérémy et à toute l'équipe derrière. Ça fait plaisir. Bienvenue à toi, Valère aussi. J'allais dire Adrénaline, mais non, c'est Adeline, excuse-moi, qui nous disait bonjour tout le monde. Bienvenue à toi, Adeline. Alors, on a ici pour l'instant des marchés qui vont respirer, tout simplement. On va voir ça, si ça donne des belles choses aussi pour de la poursuite de la tendance haussière. Le FTSE 100 qui est en train de retester côté extérieur. Donc ici, par exemple, je pourrais aussi aller voir juste là pour possiblement un rebond. Le même principe de la respiration après une sortie par le haut, un break. On va voir si ça peut donner. Alors ici, avec le spread, ça donne un point d'entrée autour des 7309. On va voir si ça peut respirer et continuer la tendance haussière. Zachary qui nous disait merci, avec plaisir Zachary. Zik qui nous disait GBP USD bouge. Ouais, il bouge, il a cassé à la baisse, hein, ça y est. Si je te montre ici le graphique, hop, il a su sortir vraiment par le bas et il a démarré du coup déjà une tendance baissière. Mais sur l'extension symétrie de marché, on va peut-être respirer un petit peu pour mieux continuer par le bas. Donc là, on avait du mal à sortir d'une zone de consolidation présente comme ceci. Ça sortait un petit peu par le haut, un peu par le bas. On a failli retester proprement, mais on s'est arrêté à une bougie de la borne haute. Et en fin de compte, on a fait le test de la borne basse et la borne basse a su du coup casser ici. Un retracement qui se poursuit. Donc vous voyez qu'on va traquer, voilà, hop, l'ordre qui se décale à chaque fois pour traquer la clôture de la prochaine bougie. Il y a un écart entre la pastille et le prix d'entrée, vraiment, parce qu'on tient compte du spread. L'assistant des traders qui va tenir compte du spread, bien sûr, pour rentrer que sur clôture. Si on mettait le prix ici, on rentrerait sur l'asque en fait qui touche et du coup ce serait pas la clôture, la bougie d'inversion. Ça c'est quelque chose que j'ai voulu mettre en place pour vraiment pouvoir tenir compte de la clôture plutôt que du reste. Donc on va voir ce qui se passe ici. Ricardo qui nous disait bonjour, moi c'est Ricardo du Cameroun, j'aimerais du coup apprendre le trading. Je n'y connais vraiment rien, mais ça me plaît bien et je ne sais pas. Si vous pouvez m'aider, bienvenue à toi en tout cas Ricardo, tu es au bon endroit puisqu'on est live tous les matins de 8h30 à 10h, que tu as une chaîne ici Admirals, une chaîne YouTube remplie vraiment de beaucoup de tutoriels, beaucoup de vidéos explicatives, tu as à chaque fois des articles qui correspondent pour un meilleur apprentissage, une meilleure compréhension. Tout à l'heure par exemple j'ai partagé l'article sur l'indicateur Ekenashi qui va tout expliquer sur Ekenashi, donc n'hésite pas à le regarder aussi. Et on va voir du coup au fur et à mesure, hein, je réponds aux questions et on va voir les sujets que vous voulez qu'on aborde bien évidemment aussi dans ces séances. Pareil, vous avez du coup le. Alors est-ce que j'ai toujours la fenêtre ouverte? Non, je vais aller la rechercher. Vous avez aussi du coup, bah non, c'est épinglé tout simplement hein, dans le. Hop, ici je vais l'ouvrir. Dans le chat, vous avez un webinaire spécial du coup qui ne sera pas sur YouTube demain soir du coup de 8h à 9h. On sera live ensemble pour cet événement un peu spécial, structure de marché, pour comprendre les marchés, comment ils fonctionnent, utiliser des choses qui vont fonctionner sur tous les marchés, peu importe que vous êtes sur du Forex, que vous êtes sur des matières premières comme le pétrole ou le gold, ou encore sur des indices boursiers ou même sur de la crypto-monnaie. Les structures de marché, c'est universel. Donc c'est très intéressant, c'est très important si vous voulez apprendre ça, d'être live avec nous demain soir. Vous inscrivez juste en mettant votre adresse mail et vous recevrez une notification par mail du coup le moment venu. Le FTSE 100 qui donne le premier TP ici, ce qui va me permettre d'aller chercher 2,2 points. On est vraiment sur un petit graphique, un peu de volatilité en ce moment, mais du coup
Quand on suit cette volatilité, ça permet quand même du coup de pouvoir l'utiliser. Allez, on va voir si le TP2 se fait. C'est timide, mais en même temps, c'est vis-à-vis du sommet précédent. Je vais sortir un petit peu avant. On va faire du 4 points ici. Donc, je vais pouvoir sécuriser déjà un petit peu par là. On va se mettre ici pour sécuriser le tout pour l'instant. Sur ce FTSE 100 qui donne un scénario aussi rebond positif pour le moment. Big Shack qui nous disait bonjour, bienvenue à toi. Arona, tu nous disais, pourrais-tu s'il te plaît regarder l'USD-JPY? Pas de souci, l'USD-JPY ici. Alors, à l'heure actuelle, il est en train de vouloir repasser sous son point pivot. Donc, on est en train de rejeter toute cette zone-là qui était support-support, qui passe résistance avec une petite cassure, c'est vrai, mais on est en train de repartir par le bas pour le moment ici. Sur l'USDJPY. Donc, si on descend dans les unités de temps, alors on repart juste en 2 secondes sur le H4 pour voir. Voilà, on était dans une zone de range. Pour l'instant, on est avec des sommets des creux de plus en plus bas. Donc, on est en train de descendre ici, clairement. Mais du coup, pour le moment, on fera bien quand même attention au test du dernier creux pour de la baisse. Puisque à court terme, c'est vrai qu'on est plus sur des vagues de baisse, hein, clairement. Là, c'est du 5 minutes. On était sur du H1 tout à l'heure. On voyait que cette zone-là, point pivot en plus, était respectée. Donc, ça veut dire qu'on est en train de vouloir sortir par le bas de ce point pivot. Après un petit peu de consolidation ici, on casse, on peut y voir une épaule. Alors, oui, on pourrait y voir même une épaule tête-épaule, un petit peu ici, ligne de cou cassée, des mèches, et ensuite là, on tente vraiment de partir à la baisse. Donc pour l'instant, un scénario favorisé de baisse, on verra si ça peut donner suite. Je pense que c'est peut-être ça que tu voyais à Ronin, hein, justement. Des mouvements pour l'instant plutôt en effet en baisse. On ira voir ça tout à l'heure si tu veux. L'USD-CAD, on avait dit que ce serait intéressant d'étudier. Rebond borne basse pour l'instant pour chercher déjà la borne haute. Avant la borne haute de la zone de range précédente, le point pivot mensuel aussi à faire attention ici. En ce qui concerne du coup mon FTSE 100, il a fait TP1, TP2 et pour l'instant retour sur le prix d'entrée. Je le laisse un tout petit peu respirer puisqu'il est en sortie quand même. Hop, ici, on va le mettre à le FTSE 100. Il est en sortie ici aussi de l'oblique, testé côté extérieur. Donc c'est le rebond qui se fait. En fait, on s'est limité à la R2 horaire pour le moment. On est plus dans une phase réintégration aussi hein, sur le DAX. Comme ceci pour le moment. Là, on a même retracé sous la Big ML. Donc un retracement ici qui ne donne pas suite. Et on va voir si on n'a pas une petite tendance baissière qui continue ici. Enfin, qui reprend place, j'ai envie de dire. Pareil hein, sur le CAC 40 ici. Le gold, hop, il va être là. On va décaler un petit peu le. Ah voilà, hop, je me disais. Voilà. L'euro dollar qui ne fait absolument rien. Le GBPUSD qui commence à descendre. On a vu du coup l'USDJPY avec Aronin qui descend aussi. GBPUSD qui relance. Ici, il va hésiter un petit peu l'USDJPY. Là, c'est du rebond sur l'USDCAD depuis borne basse, je vous le disais. Et bon, écoutez rapidement Bitcoin. Pour l'instant, c'est de la cassure sur le BTC. Et c'est de l'hésitation aussi après une belle cassure sur l'Ethereum. Du côté du gold, on est toujours dans la zone de range, attention, ça bloque. Borne haute autour des 1817, une borne basse des 1815 à peu près. Kada qui nous disait bonjour, peux-tu nous conseiller des livres sur le forex et la bourse? Merci. Alors compliqué Kada, hein. J'ai pas appris dans les livres justement, j'ai appris du coup sur le tas en faisant ma propre expérience et beaucoup de recherches sur internet. Un creux qui se forme, ça me permet de rester aussi un initié sur du footy à la hausse pour l'instant. On a du rebond qui se fait mais plus profond face à une Big ML qui est rouge pour l'instant ici sur le DAX. Donc il fait office de résistance dans un premier temps. Retracement plus profond ici. Tiens, on va voir si on n'a pas un petit peu de correction à la baisse, puisqu'on est quand même face à la zone haute aussi. Donc l'euro dollar qui ne bouge pas, hein, ici le CAC 40 qui reste dans une tendance haussière, mais qui aura encore ici de l'obstacle avec la Big ML. Voilà, là on va avoir une Big ML face à nous aussi sur le petit graphique. Je vais pouvoir me placer break even désormais sur le FTSE 100. Faudrait pas que ça retrace de trop, donc quoi qu'il arrive désormais, ça va être du 2 et du 4 points sur ce petit graphique de 1,3 points seulement. Très petit graphique en ce moment du FTSE 600 puisque peu de volatilité sur l'indice britannique à l'heure actuelle.
Mais non, Amat, tu nous disais comment tu places ton retracement de Fibonacci sur quelle unité de temps? Alors, je vais aussi te partager l'article Fibo. Que j'avais fait chez Admirals, ici. Hop, il est là, c'est Fibonacci Trading pour débutants, les 6 stratégies à savoir. Donc tu vas avoir ici dedans tout ce qui va être justement retracement de Fibo, extension de Fibonacci. Donc tu vas ici par exemple comprendre les retracements. Tu vas même avoir une gif ici qui te montre comment les tracer sur ton graphique. Donc par exemple, tu vas voir que tu as ton point X. A, donc ton creux en fait hein, que tu identifies ici, tu utilises ton creux pour aller jusqu'au sommet A et ensuite tu relâches et tu vas voir ta zone de retracement par exemple 50-61 du coup qui est étudiée ici. Donc c'est comme ça que tu peux le faire si tu veux sur des outils du coup enfin sur des graphiques en temps comme ça. Je te partage hein, bien sûr l'article ici, n'hésitez pas, un article complet sur Fibonacci, t'es bien amusé à vous le faire en plus. Et du coup quand moi ici, si tu veux, j'utilise cet outil-là, c'est ces retracements qui sont les points noirs que tu as ici, du coup qu'on avait aussi ici là, sont automatiques. C'est-à-dire que c'est déjà codé, ils apparaissent en temps réel, comme les extensions d'ailleurs, du coup de Fibo aussi. Hein. Ça c'est une extension 61.8 ici de Fibo, sur lequel le marché s'est arrêté par exemple. On est en train de respirer, on a du mal à continuer, donc je suis en break-even de toute façon sur le FTSE 100 pour l'instant. On a du mal face à la zone, hein, mais du coup c'est un retracement un petit peu trop profond ici. Mais on a du mal face à la zone, donc cette fameuse zone des 16 056 points. Didier qui nous dit aussi bonjour Jamie, bonjour à tous, bienvenue à toi Didier, ça fait plaisir. 82 likes, merci beaucoup pour vos soutiens. Je vous rappelle que demain soir on a un live spécial aussi sur la structure de marché à 8 h. N'hésitez pas à vous inscrire sur le lien que j'ai partagé et que j'ai épinglé dans le chat. Merci pour la réponse, nous disait Mélan Amat, je t'en prie, pas de soucis. Paulin qui nous disait, bonjour Jérémy, bienvenue à toi, bonjour tout le monde, je voudrais savoir quel marché trader avec un capital de 100 euros et quel pourcentage de risque, merci. Alors, du coup, avec 100 euros en capital de risque, tu risques d'être justement un peu au-delà des consensus, entre guillemets, de risque limité. C'est-à-dire, par exemple, hein, typiquement, on parle souvent de 0,5% de risque par trade ou de 1% de risque par trade. Selon là, l'actif sur lequel tu vas aller et selon, bien sûr, ton profil aussi, puisque du coup, tu vas pouvoir être un trader soit particulier, soit un trader pro. Du coup, et selon là où tu es aussi, puisque tu vas avoir en fait dans le groupe Admirals plusieurs régulations possibles qui vont t'amener à des conditions de trading un petit peu différentes aussi. Donc, je t'invite à contacter l'équipe Admirals pour voir ça avec eux en fonction de ce que là où tu es, du compte là où tu veux l'ouvrir. Tu auras aussi des choses qui vont être différentes en termes d'effet de levier, ce qui va pouvoir clairement jouer sur ton capital à seulement 100 euros pour pouvoir faire des choses sur le marché. Donc à partir de là, tu peux trader les indices boursiers à partir de 10 centimes hein, chez Admirals, donc c'est quand même assez intéressant. Tu peux trader aussi le Forex, même avec 100 euros. C'est juste que tu vas plus être orienté clairement sur du scalping ou du day trading. Donc si tu es débutant, moi je préfère te parler day trading bien sûr, mais au moins voilà, tes tailles de stop seront plus petites. Le swing trading avec 100 euros, c'est même pas la peine d'y penser. Ça va être compliqué pour avoir un stop cohérent et ne pas risquer l'ensemble de ton capital, limite selon les actifs sur lesquels tu te trouves, etc. Christina qui nous disait, bonjour Jérémy, j'espère que vous allez bien. Merci à tous, bienvenue à toi Christina, ça fait plaisir aussi du coup que tu sois là ce matin. J'espère que tu as passé un bon week-end aussi. Christophe qui nous disait, est-ce qu'un double bottom peut avoir un support biaisé comme ce qu'on peut voir sur le gold en H1. Alors attends, on va aller voir le gold en H1. Tu nous parlais du coup d'un double bottom, un support biaisé. Alors, est-ce que tu parlerais du double creux? Double bottom, c'est double creux qu'on pourrait avoir dans cette zone support ici. Dis-moi ça ici, Christophe, si tu veux, pour que je puisse bien comprendre ce que tu veux dire, et on en reparle. Wilfried, pardon, qui nous disait. Salut l'euro GBP dans une tendance haussière ce matin. Dis-moi si tu veux qu'on ouvre le graphique. En tout cas, bienvenue à toi Wilfried. Ariane qui nous dit bonjour Jérémy, s'il te plaît. GBP haut dans H4, merci. Alors on va aller voir le GBP haut dans H4 vite fait. Alors en attendant, ici mon break-even est sorti. On commence à ranger, première bougie ici de l'histogramme en gris. Donc on est désormais dans un range. Attention sur le FTSE 100.
Ça commence à ranger, ça y est, hein, clairement sur le DAX. Donc on est maintenu par le haut, par l'obstacle du coup des 16 050-55 bandeaux de zone de range. Ça retrace plus profondément, ça remet pas encore en cause la tendance sur le CAC, mais ça ne serait tardé si jamais du coup on descend trop bas. On va regarder le gold qui range beaucoup, l'euro dollar qui ne bouge pas et le GBPUSD qui sera appelé à respirer idéalement pour continuer la baisse. Donc voilà, le marché qui se calme un petit peu. On a parlé du GBP Aude. On va aller voir ça. En H4. On va juste repartir sur un graphique daily comme d'habitude. Donc ici une tendance baissière pour l'instant. Et en H4, qu'est-ce que ça donne? Et en H4, on est face au point pivot intermédiaire PPS 1 mensuel. On est sur un support S1 aussi du jour, pardon. Et tu vois ici en fait c'est un marché un petit peu piégeur quand même, même si on a fait oui, un creux comme ceci, on repasse un peu. En fait on casse par le haut, on casse par le bas. T'es pas dans une belle tendance, t'es dans une tendance baissière journalière, mais sur le graphique H4, t'es pas dans une belle tendance baissière. T'es dans un marché un petit peu piégeur. Donc attention pour l'instant, du coup le dernier sommet il est là, on est en train de casser le dernier creux. Mais en cassure ici de cette zone-là, on ira voir support S2 et creux précédent. Si ça se maintient, attention au test du sommet précédent et de la R1 en fait. Voilà un peu ce que j'y vois rapidement ici sur le GBPO. Voilà, de la baisse du coup qui reprend depuis l'histogramme qui est rouge ici. On a eu une belle vague de respiration, un petit peu trop profonde à mon goût, mais ensuite ça repart à la baisse. On va voir si ça peut continuer clairement. Ici, on a respecté la big email en rouge, mais on n'est pas encore sur une tendance baissière puisque le marché ne s'est pas vraiment retourné. Ce qu'on peut avoir ici très intéressant, c'est une épaule tête épaule ML, puisque je prends en référence les sommets ML ici avec une ligne de coup qui est ici. Même si vous reliez un petit peu les deux, on serait sur la cassure par le bas. Justement de cette ligne de coup, donc on pourrait même se faire un petit exemple ici de bougie de poursuite du coup par le bas si on arrive à casser cette ligne de coup un petit peu et jouer ce scénario là. Si je prends même les mèches, voilà, ça va correspondre un petit peu au test ici. On va voir si ce scénario épaule tête épaule ML, ce que ça peut donner sur un retour pour déjà les 16 030 et les 16 020 par la suite sur le test des creux précédents. Même si je vais être un peu plus conservateur, là on a le retracement 60. Alors on va regarder ça comme ça. On aurait sur cette zone-là le retracement de Fibo des jambes précédentes ici, pas de celle-ci mais de celle-ci, 78,2 de Fibo ici aussi. Donc là vous voyez, ça s'est annulé tout seul parce que je n'ai plus de bougie de poursuite baissière en cours. Là j'ai juste une bougie de poursuite haussière en cours, une bougie d'inversion. Donc l'assistant le reconnaît et il se désactive tout seul. Donc je peux le laisser. Et si jamais on revient clôturer ici une bougie d'inversion, c'est sur la bougie de poursuite de derrière que je pourrais du coup rentrer. Là, c'est même plus le cas puisqu'on est en train de remonter. Donc hop, je vais désactiver l'assistant pour l'instant. Donc là, ça se maintient un petit peu. Du coup, ça veut dire qu'on va ranger sur ce petit graphique-là pour le moment aussi. Et on va regarder tout ça. On retente de tester la borne basse de la zone de range sur le gold. Il y avait du trading en range, hein, je ne vous le cache pas, à faire ici ce matin sur le gold. Mais du coup, je ne l'ai pas vu. Sur le moment, j'étais sur les actifs boursiers FTSE et CAC et DAX. Donc on va regarder ça ensemble. Je reviens sur le chat pour voir où on en est. On travaille en fait, hein, à nouveau le point ici, le point pivot, hein, sur le DAX. Voilà, un petit peu de respiration à venir sur GBPUSD, c'est pas plus mal. Ricardo qui nous disait, du coup, c'est possible que vous m'appreniez à trader. Alors à travers tout le content, hein, chez Admiral, clairement tu peux apprendre les bonnes bases du trading, tu peux apprendre à trader en soi. Hein. J'ai des personnes qui me suivent depuis des années dans ces lives, qui ont appris des tonnes de choses et qui savent désormais trader aussi du coup à leur façon, puisque du coup ils cumulent bien sûr tout ce qu'ils apprennent sur internet, mais ils ont appris beaucoup de choses dans ces lives. Donc Ricardo, si tu es prêt à prendre le temps d'apprendre et d'être avec nous live chaque matin, tu vas apprendre des choses en trading clairement. Rona qui nous dit merci, j'étais pas sûr pour l'ETE, mais du coup c'est un actif qui bouge plus sur le marché en après-midi. Oui, normal, hein, dollar américain, yen japonais aussi, mais là, du coup, on est bel et bien en train de partir à la baisse. Du coup, ici, pour tester déjà le dernier cru. Donc, bien vu ici à Rona. On est toujours dans le range, attention, sur l'USDCAD en revanche. Corinne qui nous disait, on va faire le gold aujourd'hui. Ça marche, Corinne. Si on va regarder, mais le gold, hein, pour l'instant, vraiment pas intéressant ce matin.
Je vais te remontrer le gold, il est là. Il serait en tentative de sortie par le bas. Alors, intéressant pour du trading en range, si il y aurait eu quelque chose à faire en trading en range. Là, il est en train de tenter la cassure par le bas. Philippe qui nous dit bonjour à tous, bienvenue à toi Philippe aussi. Merci pour les 91 likes, ça fait très plaisir. Wilfried qui nous dit que penses-tu de l'euro GBP? Est-ce que ça va continuer de monter à ton avis? Alors tout dépend de l'horizon de temps que tu exploites aussi, mais on peut aller voir l'euro GBP si tu veux. Je vais te faire un point journalier en descendant sur les graphiques. Hop, ici. Alors ouais, le GBP USD, on a eu récemment une très très belle baisse ici en fin de compte, qui a commencé ensuite à s'arrêter dans une zone un petit peu de consolidation, et on a retourné un peu le marché. Ici, selon le contexte et les horizons de temps qu'on regarde, soit c'est juste une impulsion et juste une correction dans laquelle on se trouve, mais même quand on regarde ce graphique-là, ouais, tu vois, on est un peu dans ce genre de configuration-là. On va aller placer ça. Je pense que ça va s'arrêter en plus ici un petit peu sur les tests précédents. On va dézoomer un petit peu pour ajuster au maximum. Avec tous les tests ici inclus, voilà un petit peu ce qu'on a. Donc pour l'instant, la hausse pourrait être limitée par rapport à des sommets précédents et par rapport à cet oblique-là aussi. Ah, donc c'est une hausse qui pourrait être limitée jusqu'au niveau psychologique, par exemple des 86 hein, sans trop de peine, niveau psychologique. Ensuite, on a un petit peu de marge avec les 86, 20, non, même 15 hein, tout simplement, et cet oblique-là. Donc ça pourrait commencer à s'essouffler un peu par là. Pourquoi? Parce que tu as un mouvement directionnel déjà assez intéressant. Hein, tu as eu une belle journée, du coup, ça c'était jeudi, ça c'était vendredi, et ça c'est aujourd'hui, ça continue encore de monter. Donc attention à cette zone qui fera office de résistance sur les 0,86 psychologiques, 0,86, 0,90. Donc voilà pour ton sens et ton biais directionnel de hausse à l'heure actuelle ici. On peut y voir hein, du coup l'épaule tête épaule ici, un peu moins propre mais on la voit quand même. Celle que je vous ai montrée là en fait, avec la ligne de coup qui est en train d'être testée. Ça se maintient un petit peu du coup sur le DAX pour l'instant, le CAC aussi, ça respire sur le GBP/USD. Il est déjà 9h42. Est-ce que ça va se décider avant la fin de la séance à sortir? Parce que quelque part, on consolide aussi désormais entre les 16 055 et les 16 038 à peu près sur le DAX. Ça consolide pas mal aussi hein, sur du coup les 7 050 pour le CAC 40 et les 7 040 en fait. Le FTSE 100 qui va démarrer une tendance baissière ici avec un break pour l'instant en cours. Christophe qui nous dit du coup si on retourne sur du coup le 29 octobre. Alors tu nous parlais tout à l'heure du gold en H1 je crois hein, ici Christophe. Le 29 octobre du coup. Hop, le 29. Alors pour un double creux le 29 octobre en graphique horaire, je t'avoue que je le vois pas. Il n'y a pas de double creux pour moi le 29 octobre ici. Monsieur qui nous disait, bonjour Jamy, tu pourrais nous faire une analyse du GBP/JPY? Ouais, on va regarder ça si tu veux. On va regarder ça, pas de souci.
Ça se maintient vraiment pour le moment. Tendance baissière en début de tendance baissière, en tout cas ce FTSE 100 ici. Retracement profond sur le GBP/USD. Donc, par exemple ici, je peux activer l'assistant des traders en sell, active pour une bougie d'inversion. Clôture, si ça clôture sur un 34,68, je suis impliqué dedans. Du coup, pour aller chercher 8 pips, 17 pips. À voir si du coup, ça continue de retracer ou pas. Mais puisqu'on est désormais dans une tendance baissière, bah, les retracements du coup, pour de la poursuite de la baisse qui sont intéressants. Alors on parlait du GBP/JPY. On va aller voir ça, le GBP/JPY. Voilà ici. Hop. GBP/JPY qui reste dans une tendance quand même. Alors. C'est vrai qu'on a cassé ce creux-là quand même. On a cassé ce creux-là. En plus, on l'a retesté côté externe. Donc, on a un retournement de la tendance et retour sur une zone intéressante. Ici, on est en plein dans des zones support assez intéressantes maintenant. 153 niveau psychologique jusqu'au 152,50 hein, qui forment quand même une belle zone aussi ici. On peut même descendre jusqu'au 152,25. Donc, retracement, enfin retour en tout cas sur ces zones-là. Là, clairement, ici, c'était borne haute de la zone de range précédente. Et là, c'était la borne haute même de. En fait, de la zone de range plus large, puisqu'on avait quand même trois tests, donc ça compte aussi. C'est juste que là, en fait, la dernière partie s'est resserrée avec trois tests en bas ici et du coup trois tests en haut ici. Mais voilà, c'est pour ça qu'on a un sas un petit peu ici, une zone qui va pouvoir faire office de rebond ou office de réintégration de zone de range précédente. Hein. Clairement, sur le GBP/JPY, si on descend sur le graphique horaire rapidement avec les points pivots, on voit qu'on est clairement donc dans un range. La touche HLS ici qui nous le dessine pour nous, en fait, limitée par le haut à l'heure actuelle sur les 153,27 et par le bas sur les 152,80. Donc même si on cassait par le haut, on fait attention puisque là on a aussi trois tests autour des 153,70. Et là c'est des tentatives pour l'instant de casser par le bas mais limité, on a un point pivot PPS1 et un S1 journalier qui bloque un petit peu par le bas. Ça hésite toujours autant ici, clairement, bougie d'inversion sur bougie d'inversion pour l'instant. Donc je peux laisser activer ici puisque si j'ai une bougie ici en poursuite, ça pourrait être la cassure de cette ligne de coup qui marque à nouveau son intérêt. Retracement qui se fait, donc j'ai l'assistant tout seul qui va traquer pour moi la prochaine clôture. On est passé sur 1,34,71,8 pour la prochaine clôture d'une bougie d'inversion baissière possible. Ouais, 9h47, on va encore avoir un petit peu de temps ensemble. N'hésitez pas si vous avez des questions. 99 likes, merci beaucoup pour votre soutien. On va passer la barre des 100 likes avec un petit peu de chance. On avait fait même 125, voire plus, je crois. C'était vendredi dernier. Plutôt sympa. Pierre qui nous disait bonjour Jérémy. Du coup, j'ai un peu de retard, mais tout, du coup, toujours fidèle. Merci pour les pouces, ça fait plaisir justement, Pierre. Hervé qui nous disait, Jérémy, merci pour la séance avec plaisir. Hervé, tu nous dis excellente journée, semaine à tous, merci à toi aussi. Didier qui nous disait pouce bleu pour Jérémy Admiral, merci beaucoup Didier, ça fait plaisir aussi. Et Zik qui nous disait, analysons le GBP/USD s'il vous plaît. Alors GBP/USD, on repart si tu veux sur du graphique horaire. On va voir que pour l'instant, on avait cette zone de consolidation là. Voilà. On avait cette zone de consolidation là qui durait surtout ici. On a eu une cassure, on a eu une réintégration et ça s'est un peu maintenu. On a un maintien aussi avec un support ici S1 mensuel. Hein. Et ensuite on a tenté la réintégration sans y arriver. Du coup ça casse ce matin par le bas. On a le dernier creux, le support S1 en ligne de mire. Le bout de cette mèche d'ailleurs s'en est approché avec les 1,34,50 hein, pour l'instant. Et on a la correction. Donc là oui, dans 11 minutes et 30 secondes, on saura si on a cette formation largement en rejet avec une mèche qui respire vraiment beaucoup pour le coup, ou si on pourra avoir bien un petit peu plus de baisse sans pour autant je pense revenir sur le bout de la mèche. Donc quoi qu'il arrive, c'est une baisse qui reste limitée pour le moment. Sur le graphique 5 minutes, ça correspond à ça hein. C'est de la cassure et de la réintégration, enfin de la récupération de mouvement très rapide, hein, quasiment faire les 100% de retracement du coup dans très peu de temps désormais. Donc ça respire de plus en plus, et plus ça respirera ici, plus on reviendra justement sur ce sommet-là, en fin de compte, qui est visible avec le graphique 3 pips sur le Renko. Donc là, par exemple, j'ai la Big ML qui est face à moi. Je sais que je vais avoir un obstacle ici. En plus, on est sur fin de séance, donc je vais pouvoir désactiver ça tout simplement.
très très hésitant ici, hein, ce Dax. Ce CAC aussi, hein, de toute façon, le footy aussi qui peine vraiment en ce moment. Kada qui nous disait, tu peux nous expliquer les volumes et comment les interpréter, merci. Alors Kada, déjà attention ici sur les graphiques, du coup quand tu es sur du CFD, les volumes que tu vas avoir, c'est les volumes en ticks, donc c'est le nombre de ticks en fait que tu vas c'est le nombre en fait que tu vas avoir ici. On va faire un exemple, tu vas voir, je vais te sortir l'indicateur, par exemple volume. Donc tu as volume en ticks. Si tu mets volume réel, tu vas rien avoir ici parce que tu es sur du CFD. Ça, le volume réel va marcher par exemple sur les actions au comptant. Dans cet indicateur là, il faut que tu laisses en fait, hein, pour ces graphiques là, tout simplement volume antique. Mais du coup, ça va être des volumes antiques, ça va pas être des volumes comme tu vas avoir sur les marchés futurs avec les transactions, etc. qui se passent. Donc, si on prend par exemple, je sais pas, cette bougie là, du coup, la valeur ici que tu vas avoir, je reste dessus par exemple, c'est 65. C'est une bougie ici, du coup, qui a fait une amplitude d'à peu près du coup 9 points. Mais ça, on a fait cette amplitude de 9 points du coup avec du coup ce nombre de ticks là en fait, si tu veux. Donc 65 ticks pour générer ce mouvement là. Donc c'est, pour moi, si tu veux, ça va pas être une indication de volume comme on peut trouver sur véritablement les contrats futurs. Donc c'est pour ça que c'est pas un outil que j'utilise sur CFD, puisque ça va pas me permettre de tirer vraiment des conclusions sur du coup le nombre de transactions, les volumes vendeurs et acheteurs qui se trouvent sur le graphique à l'instant T. Donc c'est pour ça que je vous en parle pas de l'indicateur volume sur ces graphiques CFD, que je trouve du coup pas intéressant en fait. Olivier qui nous disait bonjour à tous, le DAX du coup va devenir plus lent que le CAC 40. Alors, pas forcément, non, je pense pas, hein. Je pense pas que ça arrive. Je pense pas que ça arrive. En ce moment, on est dans une phase où ça diminue, hein. Vous voyez par exemple les tailles par rapport à la semaine dernière ont changé, hein. Sur ces rincons, on a baissé en taille parce que la volatilité diminue un petit peu. Mais au mois de septembre, on a eu une volatilité qui était assez importante sur le DAX. Au mois d'octobre, ça a baissé un petit peu, mais ça reviendra tout simplement. Donc, je ne désespère pas de voir le DAX reprendre la volatilité. Faut pas oublier qu'on est sur du long terme, même quand on fait du scalping, du day trading. Donc même si on a quelques semaines avec peu de volatilité, c'est là aussi où il faut savoir être dynamique avec son marché, bien sûr. C'est pour ça que moi, par exemple, sur ce genre de choses-là, je suis dynamique et mes tailles vont baisser si la volatilité baisse, ce qui me permettra d'y voir toujours des mouvements et des choses à faire. Et ça va augmenter quand la volatilité va augmenter. Donc c'est ça aussi d'être dynamique dans votre stratégie, tenir compte de la volatilité. Zik qui nous est 8h50 chez nous au Togo. Ah, ça marche, donc tu as une heure de décalage, Zik. Ça marche. Pas de soucis. Didier, merci beaucoup encore pour les pouces bleus. Ben voilà, on a passé la barre des 100, on est à 110 likes. Merci beaucoup à vous tous aussi. On va refaire un petit récap de marché vers la fin de séance, bien sûr. Et pour l'instant, on va voir ce qui se passe. On va repartir sur du gold un petit peu aussi. Le gold ici en 5 minutes, ce matin, il n'a pas fait grand-chose. Ah, il a commencé à casser, alors on va voir. C'est vrai que je vous avais peut-être parlé. Ah non, alors pas encore. C'est en train de se faire. C'est en train de se faire parce qu'on sort seulement un petit peu de la zone de range précédente qui a été travaillée. Et on commence à s'écarter par le bas sous les 1815 dollars l'once d'or. Du coup, retracement aussi, hein, pareil, de plus en plus profond, hein, sur le GBPUSD pour l'instant. L'euro dollar qui range toujours autant, qui a du mal à trouver sa voie. Alors pareil, il y avait des choses à faire, hein, côté trading de range. Le DAX ici qui range beaucoup, qui a beaucoup de mal ici à sortir par le bas. On aurait un flag baissier en cours, mais il veut pas donner suite pour l'instant. Au contraire, il va finir par sortir par le haut. Et là, ça se maintient sur cette oblique en fin de compte, qui était ligne de coude d'une épaule tête épaule du coup ML. Donc on a eu une cassure ici, mais ça s'est maintenu, ça s'est remaintenu derrière. Donc pour l'instant, on n'est pas du tout dans le cadre d'une cassure et d'un scénario d'une épaule tête épaule à la baisse ici du coup du côté du clairement du DAX. Donc ce matin, je vous ai montré de l'achat, hein, surtout sur le DAX. Avec cette partie ici, impulsion, retracement, du coup pour un premier TP, un deuxième TP. Et du coup, je suis sorti sur ce niveau-là du deuxième TP. Donc on s'est arrêté sur l'extension, pas symétrie, mais sur l'extension Fibonacci 61.8 de Fibo. Donc un mouvement qui n'a pas été super super élancé, mais un mouvement aussi quand même suffisant pour sécuriser et générer ici un scénario gagnant.
Pareil, je vous ai fait un rebond sur le FTSE 100 tout à l'heure, qui s'est arrêté sur le dernier sommet aussi. Alors Zachary, pardon, j'avais pas vu ton message, tu nous disais qu'est-ce que tu penses de la crypto-car? Alors je t'avoue que je la connais pas, faudrait que j'ouvre le graphe pour voir ça. On a de nouvelles cryptos aussi hein, chez Admirals. Je vais vous montrer ça dans l'espace ici, news. Vous avez dans actualité ici, à propos actualité, vous avez les dernières nouvelles. Hein. Donc Admiral a été élu pour la quatrième année d'affilée meilleur broker CFD Forex, côté allemand. Ici, du coup, on voyait la liste des 10 dernières cryptos ajoutées sur le compte trade.mt5 chez Admirals. Hein. Donc, on a Cardano, on a Dogecoin, on a Solana, Cosmos, on a pas mal de nouvelles cryptos qui s'ajoutent, hein, bien sûr. Ici, Admirals qui suit aussi, bien sûr, les dernières cryptos les plus intéressantes pour vous les mettre à disposition. Donc voilà, ça se maintient clairement pour l'instant au final, hein. Toujours dans du range sur ce DAX, pareil sur le petit graphique. Donc là, c'est du 3.2, je vous disais, à volatilité qui baisse un petit peu. La semaine dernière, je crois qu'on était en 3.7 ici. Là, on est en 2 points, alors que la semaine dernière, c'était en 2.3. Donc ça diminue un petit peu cette volatilité. Petite volatilité aussi hein, sur le FTSE 1.3 seulement. Bon, ça m'a quand même permis de vous montrer un petit rebond pour du 2,3 points et du 4 points. Et puis voilà, là, le GBPUSD qui a été désactivé puisque du coup on retrace bien profondément. En fait, on revient même dans la zone de range précédent, donc là il faut faire attention. Mais voilà un petit peu le gold du coup qui s'est lancé à la baisse. Hein. C'est vrai que le gold ce matin il y avait un trading en range à faire intéressant. Pareil sur le GBPUSD, sur l'euro dollar, pardon, un trading en range intéressant. Oui et non, ça dépend des règles. Ça dépend des règles qu'on utilise. En tout cas, 114 likes, merci beaucoup pour démarrer la semaine, ça fait bien plaisir. Je vais vous faire un petit récap du coup des marchés pour le reste de votre journée. On est toujours au final dans du trading en range sur le DAX 40. Le graphique horaire nous le montre clairement, une borne haute respectée. Oui, on a fait une mèche, mais pour l'instant, incapable de casser d'ici 3 minutes et 8 secondes. On verra si c'est possible, mais ça, voilà, ça serait surprenant de pouvoir revenir sur le haut de cette mèche là. On a la résistance RA mensuelle sur ce niveau là, donc c'est les 16 055 qui bloquent actuellement. Borne basse autour du support S1 avec du coup ici les 15 995, donc trading range à l'intérieur jusqu'à preuve du contraire. Borne haute idéalement pour borne basse en passant toujours par la partie médiane des 16 025. En cas de cassure, on fera attention au dernier sommet aux abords de la résistance R1, et bien sinon c'est le scénario de baisse dans le trading range qui sera d'office hein, appliqué en fonction du rejet des 16 050 points. On passe sur du coup ce CAC 40 aussi ici en graphique du coup horaire à nouveau. On va avoir le rebond du coup qui a poursuivi un petit peu. On a su casser ce matin un petit peu les 7050, mais on n'a pas su pour l'instant vraiment faire un beau test du sommet précédent et notamment le casser. Donc ici ça va être très déterminant. Si on n'arrive pas à casser cette zone là, on pourrait ranger entre sommet et creux. Donc ça veut dire ranger entre possiblement les 7070 et les 7020. Donc ici. Ouais, c'est ça. Non, 7060, pardon, et 7020, je me disais aussi. Et puis, sinon, si on arrive à casser, attention à la prochaine zone résistance R1 du jour, R1, R2 intermédiaire, et dans le sens de la cassure du creux, on aurait directement une ancienne résistance, un support, et même cette zone de range précédente à surveiller. Du côté britannique, ici, on a une cassure de l'oblique, mais cette mèche ici marque le rejet pour le moment, incapable de se détacher vraiment de ses sommets les plus récents. Ce FTSE 100 continue la consolidation sous ce format-là. On a une oblique baissière par ici, on a un niveau à l'horizontale. Le niveau à l'horizontale, il est présent sur les 7291. L'oblique, à l'heure actuelle, est sur les derniers sommets, 7305 points à peu près. Donc en cas de cassure des sommets, attention à ce genre de mouvement là pour tester les sommets encore d'avant. Et en cas de cassure par le bas, je vous disais, on a un sas ici un petit peu avant la réintégration possible de la zone de range précédente. Donc dans ce sas, ça peut être aussi un peu piégeur en fonction de l'oblique, attention aussi. Côté américain, on a du S&P 500 au final qui continue son rebond puisqu'on avait eu une belle impulsion, une correction avec Ekanashi. C'est très simple à lire, ce code couleur ici qui se superpose sur les chandeliers,
que je décide, hein, bien sûr, d'enlever, sinon ça fait pas très joli. Hop, on va laisser juste les bâtonnets et on voit le rebond qui se fait ici suite au test, donc côté extérieur de la borne haute du range précédent. On est en train de tenter de passer au-delà du point pivot, donc un scénario de hausse possible jusqu'au petit sommet précédent ou encore celui d'avant avec le test de la R1. Si on est incapable de monter, on va partir dans la consolidation et le test des creux précédents au final. Tout simplement sur ce S&P. Du côté du Dow Jones 30, on avait pareil une cassure et le rebond qui commençait à se faire. Mais du coup, alors pour le coup, je vais vous laisser sur du 15 minutes ici pour y voir la fameuse zone de range dont je vous disais. Voilà, elle est là, cette zone de range. Donc attention, on n'est pas sorti de la zone de range pour l'instant sur le Dow. Puisqu'on a ici des tests là, là et là, et de l'autre côté de tests nombreux, on est en fait en train de se diriger uniquement sur le test de la borne haute de cette zone de range limitée entre les 36 280 et les 36 360 points sur ce Dow Jones 30. Du côté du Nasdaq, pareil, on maintient la zone de range, donc idéalement test du coup ensuite du point pivot du jour, la R1 mensuelle par le haut, pour du trading en range. En cas de cassure, on aurait ensuite un test R1 avec les sommets précédents intéressants, et pour casser par le bas, il faudra vraiment s'affranchir en fait du support S1 du moment ici. Voilà, on va aussi regarder bien sûr les matières premières aussi, juste avant de se quitter. Le gold, on va repartir sur un graphique ici H1. On est en train de tester le creux précédent, donc toute cette zone là peut faire office de rebond. Attention bien sûr au test du sommet précédent, la partie un peu médiane si on commence à ranger, sinon réintégration, mais il faudra faire attention au point pivot. Donc le tout va se jouer en fonction du creux des 1813$ l'once d'or jusqu'au 1810$ l'once d'or, et au final même cette zone est 1806.5 qui pourra faire office de rebond un peu piégeur dans la zone, en tout cas sinon break par le bas pour réintégrer le range précédent. Du côté du Brent, on est toujours sur le rejet de la partie médiane de la zone de range avec la R1 du jour pour tenter de respirer un petit peu sur le dernier sommet, par exemple en direction des 83,50. En cas de cassure par le haut de la partie médiane, on a des sommets précédents à étudier, donc je vous parle un peu de ces zones-là avant la R2 du jour. Donc on va avoir les 84,75 avant les 85,50 ici. Alors on a, c'est aussi les 85 qui vont être juste ici, donc 84,75 rapidement et 85 déjà dans un premier temps. Pour côté baissier, je vous le disais, c'était à peu près les 83,50 à étudier aussi dans un premier temps si ça baisse. Côté Forex, pour finir ce petit tour de marché, on est en train de vouloir sortir par l'eau, mais au final on a reconsolidé dans une nouvelle zone, hein, une zone un petit peu plus récente ici puisqu'on a quand même plusieurs tests. Comme ceci, on est en train de vouloir sortir par le haut. Point pivot étant la borne basse de cette nouvelle zone avec les 1,1550, et la borne haute, ça va se trouver autour des 1,1570 en tentative à l'heure actuelle de casser pour un test R1 point pivot et notamment les 1,1595 par le haut. En cas de réintégration, attention partie médiane et borne basse du coup avec les 1,1550. Pardon. Le GBP/USD. Un GBP/USD du coup qui a su casser mais qui a récupéré du coup plus de 100% déjà de son mouvement. On va repartir sur le graphique horaire. On parlait de cette zone de range ici, maintenue aussi un petit peu en dernière ligne par ce support S1 mensuel. D'ailleurs, avec tous les derniers tests qu'on a eu, on peut aller l'actualiser, c'est vrai. Regardez, on a au final cette mèche ici, on a ce test là, là et aussi récemment. Donc voilà, ici vraiment cette borne basse, c'est vrai, un petit peu plus basse. On va parler d'un niveau des 1,3470 pour une borne haute des 1,3510, quasiment toujours en range ce GBP/USD jusqu'à preuve du contraire. Donc rebond borne haute, borne basse, attention au break par le haut ou par le bas. On arrive par le bas, on aimerait sortir par le bas, mais récemment on a eu quand même du rejet avec ces dernières bougies là, donc rien n'est fait, attention encore une fois ici. Pour finir rapidement sur du coup le Bitcoin qui est en train de casser mais toujours sur le test de ses sommets précédents, attention du coup à une respiration possible. L'Ethereum qui quant à lui du coup est encore plus propre puisqu'il casse du coup dans un billet même directionnel journalier très intéressant en cassure vraiment aussi de ses sommets précédents. Voilà pour le petit tour de marché, j'espère que cette séance vous a plu, vous avez bien démarré la semaine avec moi et les autres participants de ce live aussi. On va se retrouver dès demain matin 8h30 pour continuer nos séances matinales, et demain on aura même du coup un event le soir, vous l'avez épinglé dans le chat, c'est un event sur la structure de marché, je vous apprendrai à trouver ces structures de marché, à les voir et à les utiliser aussi dans votre trading. Paul qui nous envoie un smiley du coup avec des cœurs, ça fait plaisir, merci beaucoup Paul. Zachary également qui nous disait merci encore pour le live, bonne journée à tous, merci à toi aussi Zachary,
Excellente journée. On a aussi du coup Ridwayne qui nous disait je suis celle sur le goal. Ça marche, j'espère que ça va bien se passer pour toi, Ridwayne. Et on a Damien qui nous disait merci Jérémy pour ce live. Bonne journée à tous et bon trading pardon à tous aussi. Merci beaucoup à toi aussi Damien. Avec plaisir. Excellente journée à vous tous. On se retrouve demain matin 8h30, 10h comme d'habitude. Demain soir exceptionnellement aussi de 8h à 9h. Donc pas mal d'occasions de se retrouver live et de parler trading. Je vous souhaite à tous une excellente journée, un bon début de semaine une fois de plus, un bon trading et je vous dis à demain matin avec plaisir. Très bonne journée et bon trading et à plus tard.